Bonjour tout le monde. Nous sommes au lac Missawippi, 3 et 4 novembre 2015. Ben a complètement changé notre séjour de pêche en décidant hier de pêcher à la jigue verticale avec une cuillère à jiguer. Plus précisément, une splinter de Johnson. Ben parle nous des deux façons. On a de travailler avec des cuillères adjiguées comme celle-là? Premièrement, il y a deux couleurs qui c'est important de choisir, dépendant sur la température, s'il si fait soleil ou pas soleil. Okay. On trouvait que quand il fait soleil, c'était bien mieux avec le, le, la couleur argent. Euh, quand c'était nuageux, on a utilisé les cuillères en couleur or. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est le poids. On a décidé d'aller avec un demi-once euh, pour vraiment travailler le fond. Puis, euh, les Achigans, en 35 pieds d'eau, c'était vraiment le patron de pêche euh, ces deux jours-là. Euh, coller, coller, coller au fond. Ça dépendait sur la situation, s'il y avait des herbes ou non. Euh, quand il y avait des herbes, on a travaillé ça plus au niveau horizontal. Puis euh, quand c'était plus un, un, un île sous-marin, comme qu'on a pêché dernièrement, c'était plus une action verticale. Ça, c'est plaisant. Ça nous offre vraiment deux possibilités. Là, on a localisé, comme tu le mentionnes, des belles structures en profondeur. On se gardait au-dessus de ces structures-là avec l'angle GPS de notre moteur I Pilot. Puis, on pouvait le travailler verticalement. Mais l'autre patron de pêche qu'on a trouvé, qui était très bon, c'est un herbier. Nous, on pêchait au large de l'herbier, mais cette fois-ci en jig horizontal, si on peut ça. dire. Pour que les gens comprennent bien, c'est qu'on lance la cuillère, on la laisse descendre jusqu'au fond. Hein? Bien ouais, important, tu sais. Il faut avoir le contact avec le fond. Puis là, ensuite, on le récupère. Tu me corrigeras si je me trompe, mais hier, moi, j'y allais avec des mouvements, là, euh, je dirais, euh, moins secs, moins agressifs qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais. Aujourd le poisson hein, s'est mis en chasse après le dîner, quand le soleil est monté un peu dans le ciel. Puis là, je te voyais travailler, tu as eu beaucoup, beaucoup de succès. Puis tu y allais avec un mouvement assez sec. Pas assez ex... sec. Pas exagéré, mais assez sec. Peut-être un maximum de 12 pouces de mouvement du fond, à okay. peu près. Puis, à la minute où tu sens la touche, le moindrement quelque chose d'anormal à l'autre bout. Un, un bon ferrage. Exact. Un autre point qui est intéressant, c'est que où est-ce qu'on a trouvé des herbes, euh, il, va, il y a aussi l'eau pas loin. Ce n'est pas, pas juste n'importe quelle herbe. Ça prend absolument, absolument l'eau pas loin. C'est un très bon point que Ben apporte là. Puis j'émettrais l'hypothèse que bon, il y a beaucoup d'éperlins ici. Fait qu'en ce moment du côté du large, du côté plus profond, ils ont accès les à pousses. cette source de nourriture-là. Exact. Exactement comme tu le mentionnes, puis même on le veut un peu dans le sonore hier en fin de journée. J'ai l'impression que les grises et les achigants poussent les bancs d'éperlins vers la ligne d'herbe. Là, les éperlins n'ont pas d'endroit où fuir puis ils peuvent se faire capturer à ce moment-là. Au niveau de l'équipement, euh, on a utilisé tous les deux des cannes de puissance moyenne. Moyenne, 7 avec... pieds. 7 pieds, 7 OK. Pieds. Moi, j'étais un petit peu plus court, autour de 6,7, 6,9. Euh, extra fast. Mm -hmm. Extra fast. Absolument. Ça, c'est l'action idéale pour faire ça. Euh, moi, c'est une Fenwick Elite Tech dans la série basse. Donc, c'est une canne qui fait super bien pour ça. Euh, avançons de fluorocarbone, est-ce que tu avais oui, ça toi absolument. aussi? Absolument. Trilen, 100% fluorocarbone, 10 livres. Parfait. Moi, j'avais du 12 livres, ça fait pareil. C'est pareil. <laughs> Puis moi, mon fil principal, c'était du nanofil 10 livres vert. Et moi, je préfère le strand tressé à 10 livres aussi. OK. Bon, finalement, ça se ressemble. Mm. <laughs> Donc, c'est vraiment une technique à découvrir. Moi, je l'ai fait déjà pour d'autres espèces, dorées, truite grise. Mais à la chigane, de cette façon-là, en fin de saison, c'est la première fois que je faisais ça. Voyez, comment t'as trouvé ça? Ah, extraordinaire, <laughs> extraordinaire. On s'entend que ce ne sera pas la dernière fois. Non, du tout. Fait que ben, encore une fois, un gros merci. Dan, exceptionnel, exceptionnel.